chanson. Attends, les mecs, c'est qui a foutu cette chanson là? Mais c'est pas Manchester United ça, putain! Putain, mais qui c'est le con qui a foutu cette musique? C'est qui là? C'est un bout là! Putain, mais c'est pas vrai, mais c'est qui la brutique? Dites-le moi, non mais sérieusement, dites-le moi, qui c'est qui a foutu cette musique de merde? C'est toi? Putain, mais tu sais très bien que c'est pas cette chanson là! Mais oui! Ah putain, vas-y, toi ta gueule! Mais oui, mais putain, mais c'est pas cette chanson là! Non mais, nous à Manchester, c'est que du local! Bah bien sûr, attends, c'est cette chanson là, nous! Voilà! C'est cette chanson là! Voilà! Ah putain, je suis désolé les mecs, hein, c'est parce que moi je suis entouré de bras, de personnes là, qui c'est vraiment des bras cassés quoi! Laisse tomber! Oh là là, c'est ça cette chanson! Bah oui! Voilà, ça c'est Manchester United. Là, avant, ce que t'avais mis, c'était pas Manchester United. Bref, excusez-moi, hein, j'étais... là, mon équipe, là, c'est une catastrophe. Hein, les mecs, c'est les bras cassés. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je suis très heureux. Voilà, je suis très content. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve pour le débrief du match AS Roma-Manchester United. Match qui comptait pour les demi-finales retour de Ligue Europa. Victoire de Manchester United sur l'ensemble des deux matchs. Voilà, dans ce match retour, Manchester United s'est incliné sur le score de 3-2. Mais c'est pas suffisant pour la Roma. Voilà, car Manchester United avait gagné, enfin, je le rappelle, avait gagné le match aller sur le score de 6-2. Et donc, du coup, sur l'ensemble des deux matchs, Manchester United s'impose. Et donc, les Red Devils sont qualifiés pour la finale de cette Coupe d'Europe. Alors, il y en a, ils vont me demander pourquoi j'ai mis You'll Never Walk Alone de Liverpool. C'est tout simplement parce que, voilà, c'était pour rendre un petit hommage à ces supporters de Liverpool qui disaient Manchester United, voilà, ils sont plus en Ligue des Champions, on s'est fait sortir de la phase de poule, on n'ira jamais loin, en Ligue Europa, on est des tocards, machin, on va se faire sortir et tout. Au final, la roue a tourné, voilà, le karma est arrivé. Liverpool, ils sont fait sortir en quart de finale de Ligue des Champions. Puis Manchester United, voilà, on est en finale, nous, voilà, on va en finale, voilà, on va affronter Villarreal et on peut gagner, voilà, cette Coupe d'Europe et la ramener à la maison 4 ans après notre dernière finale. Et voilà, franchement, ce serait top. Voilà, c'est juste un petit coucou à nos supporters de Liverpool. Bref, voilà, la partie chambrage est faite. Bon, pour revenir à ce match face à la Roma, voilà, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes. Bon, avant ça, j'avais oublié les buteurs dans ce match. Bah, Manchester United avait ouvert le score grâce à Cavani à la 38e minute. L'égalisation à la 57e, signé Edin Dzeko pour la Roma. 60e minute, but de Cristante. 68e, but de Cavani pour les Red Devils. Ça fait 2-2. Et à la 83e, Aesteles marque contre son camp. Mais voilà, donc ça, c'était les buteurs durant ce match. Donc, victoire 3-2 de la Roma, mais c'est pas suffisant. Voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, 45 premières minutes, une première mi-temps un petit peu compliquée pour Manchester United. Voilà, on a réussi à décanter la situation à la fin de la première mi-temps grâce à Cavani, mais avant ça, on était tout de même en difficulté. Voilà, avec des occasions pour la Roma, des occasions de Pellegrini, de Mkhitaryan, de Pedro ou encore d'Edin Dzeko ou Cristante sur les coups de pied arrêtés. Voilà, mais heureusement, et là venez pas là les fans de Dean Henderson, là venez pas me casser les couilles en disant que Derrière il a été nul, il s'est pris 3 pions et tout. Là, je veux plus les entendre. David Derrea dans ce match-là, ça a été un mur. Ça a été un véritable mur. Même s'il s'est encaissé 3 buts, sur les 3 buts, il peut rien faire. Mais en attendant, ça a été un véritable mur. Déjà, première occasion pour la Roma, dès la deuxième minute, devant, je crois que c'était Cristante, ou alors je ne sais plus qui c'était, je crois Cristante, ou alors Ibanez, je me rappelle plus. Il te fait un arrêt, l'autre, il te fait un arrêt de handballeur. Le mec, il est en face à face, hop, il te sort à la main, nickel. Voilà, il te fait un premier arrêt. Là, après, quelques minutes, il te fait un nouvel arrêt devant Mkhitaryan, il gagne son face-à-face. Voilà, encore une fois, ça continue. Derrea, il laisse rien passer.
Voilà, jusqu'à ce but de Cavani à la 38e minute, soit sur un très bon ballon de Fred, ballon dans la, récupéré par les Red Devils au milieu de terrain. Fred qui se projette vers l'avant et qui donne ce ballon dans la profondeur pour Cavani qui fusille Mirante à l'entrée de la surface, une frappe puissante, voilà, frappe sèche de la part d'El Matador. Et donc du coup à la 38e minute, Manchester United mène 1-0 et c'est le score à la pause. Qu'à ce moment-là, bon, on n'était pas inquiet, nous, Mancuniens, on était confiants parce qu'on savait très bien que là, on avait éclaté la Roma au match aller. Voilà, donc on n'était pas inquiet. Voilà, donc à ce moment-là, on était tranquille et tout. Donc voilà, 1-0 pour Manchester. Et la deuxième période, tu sais pas ce qui se passe. Alors, même si Solskjaer, il a fait déjà deux changements en faisant rentrer Williams et Telles, en faisant rentrer Brandon Williams et Alex Telles, voilà, à la place de Luke Shaw et Wan-Bissaka. Là, tu sais pas ce qui se passe, mais les joueurs, ils sont complètement déboussolés. Tu te prends ce but d'Edin Dzeko à la 57e. Sur un centre du côté gauche d'Henrik Mkhitaryan, remise de Pedro pour Edin Dzeko qui reprend ce ballon de la tête et qui vient battre David De Gea. Voilà, sur ce coup-là, De Gea pouvait rien faire. Donc égalisation de la Roma. Puis ensuite, 3 minutes après, le but de Dzeko, but de Cristante. Voilà, suite à une perte de balle de Fred au milieu de terrain. Voilà, un but totalement pourri. Voilà, un but de casquette. Fred qui perd ce ballon au milieu de terrain. Il voulait éliminer deux joueurs en dribblant. Au final, il perd le ballon bêtement et derrière, Cristante fait une frappe magnifique. Voilà, De Gea est totalement battu. Donc 2-1 pour la Roma. Puis après, Manchester United égalise grâce à Cavani. Voilà, c'était un match complètement fou. Voilà, Cavani qui recolle les deux équipes à égalité sur un très bon centre de Bruno Fernandes. Cavani qui reprend ce ballon au point pénalty de la tête. Ça vient battre Mirante. Donc 2 buts partout. Et après, ça s'est un petit peu calmé parce que Solskjaer a fait rentrer en jeu Matic, il a fait rentrer Juan Mata et aussi Rashford. Voilà, donc ça a un petit peu calmé la Roma, même si voilà, on n'a pas réussi à tuer le match. Puis après, bah, c'était reparti de nouveau dans les 10 dernières minutes avec le but d'Alex Telles contre son camp. Voilà, c'était sur un centre, je crois, de Mkhitaryan, si je me trompe pas, et c'est au second poteau, c'est le jeune Malewski qui Zalewski, je me suis totalement planté, qui avait repris ce ballon au second poteau. Bon, ça passe, c'est dévié par Telles et ça passe entre les jambes de David, voilà, de Dave Save, comme on dit en Angleterre. Voilà, nous supporters Mancuniens, on l'appelle comme ça, Dave Saves. Et voilà, donc là il pouvait rien faire, mais voilà. Donc, finale, victoire 3-2. Mais voilà, heureusement aussi qu'on avait un très bon De Gea, voilà, qui fait des arrêts, mais... Pff, des arrêts d'extraterrestres, voilà. Et je l'ai longtemps défendu, voilà. Moi franchement, moi, pour moi, De Gea, je le classe dans la catégorie des gardiens extraterrestres, qui peut te sortir un arrêt de malade, voilà. Tu sais même pas comment il fait pour faire un arrêt de cette classe-là. Voilà, moi, j'ai toujours classé De Gea dans ce jeu, dans cette catégorie de gardien qui fait des arrêts de malade. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce match. Donc ça a été un 4-4-2 pardon, en losange. Voilà, après, ça s'est passé en 4-2-3-1, mais voilà, on avait ce 4-4-2 en losange avec De Gea dans les buts de Manchester United. Voilà, Dave Save dans les cages de Manchester. La charnière centrale, Bailly associé à Harry Maguire. Maguire qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche. Fred en sentinelle, Pogba et Van de Beek en relayeur. Van de Beek qui était titulaire pour ce match. Bruno Fernandes en numéro 10. Et le duo d'attaque, Cavani associé à Mason Greenwood. Après, il y avait le remplaçant qui était entré en jeu. Comme je disais, Williams et Telles étaient entrés en jeu à la place de Wan-Bissaka et Luke Shaw. Matic à la place de Pogba. Rashford à la place de Cavani. Et Juan Mata à la place de Bruno Fernandes. Donc ça, c'était en fin de match. Voilà, donc il y avait des choix. Bon, j'ai trouvé, il y avait quand même dans l'ensemble de l'effectif. Bon, sur papier, ça allait. Mais voilà, après, il y a des joueurs, il y en a pas mal, ils m'ont déçu. Voilà, il y a pas mal de joueurs qui m'ont déçu durant cette rencontre. Voilà, bon, même si, voilà, Solskjaer a fait tourner un petit peu l'effectif en faisant jouer Van de Beek, en faisant jouer Greenwood, Bailly, ou encore Brandon Williams, voilà, il a fait un petit peu tourner son effectif, mais voilà, il y avait des changements, il n'aurait pas dû faire à ce moment-là, ou voilà. Voilà, par exemple, l'entrée en jeu Brandon Williams et Telles à la mi-temps, bon, pourquoi pas, mais tu sais, c'était là, on sentait que voilà, c'était pas le moment, pas trop le moment, peut-être en milieu, en cours de la deuxième période, voilà, à l'heure de jeu, il aurait peut-être dû faire ces changements-là.
Mais bon, voilà, après, c'est le coach, hein, c'est pas moi qui décide. Donc voilà. Bon, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par la Roma. Les Romains, c'est 53% de possession de balle. 7 corners au total pour les Giallorossi, 20 tirs au total, donc 12 tirs cadrés, 2 positions d'hors-jeu. Du côté de Manchester United, c'est 47% de possession balle, 1 corner, 11 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, 4 positions d'hors-jeu. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, en termes de possession balle, la Roma avait une légère avance par rapport à Manchester. Voilà, c'est surtout en deuxième période où ils étaient plus dangereux. Alors, peut-être pas forcément tranchants, mais ils ont été assez dangereux tout de même. Ils ont été assez dangereux, ils ont eu la possession du ballon. En termes d'occasion, oui, ils s'en sont créés pas mal avec Mkhitaryan, avec Edin Dzeko, Pedro. Voilà, donc ils se sont créés, voilà, ils ont été très dangereux. Après, ça manquait d'efficacité, voilà, ils n'étaient pas assez réalistes pour remonter Manchester United. Donc voilà. Ils peuvent avoir des regrets, voilà, les Romains, ils peuvent avoir des regrets. Et puis Manchester United, voilà, bon, on a eu des occasions, c'est vrai, mais voilà, on n'a pas été non plus très tranchant dans la finition. C'est un petit peu dommage puisqu'on aura pu tuer cette demi-finale, voilà, face aux Romains, voilà, on aurait pu tuer ce match, voilà, bien plus tôt. Bon, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Moi, je vais commencer. Bon, alors, je sais, on va me dire, ouais, mais tu parles que de Derrea. Ouais, il y en a, ils vont me dire ça dans les commentaires. Mais je suis obligé. Non mais je suis obligé les mecs. Non mais parce que il y en a, ils disaient des supporters Manchester. Ouais, Derrea, faut le vendre cet été. Il est fini. Derrea, c'est bon. C'est plus que le Derrea d'avant et tout. Moi j'ai dit les gars, moi j'ai toujours défendu David Derrea. Voilà, moi j'ai dit Derrea. Voilà, ça fait des années qu'il a Manchester United. C'est vrai qu'il y a une période où il est pas très bien, mais voilà, je sens que voilà, il peut faire encore un bon tour. Il a 30 ans à peine. C'est pas comme s'il en avait 35. Voilà. Il peut faire encore un bon tour avec Manchester United, il peut encore rendre service. Et la preuve, dans ce match, il a fait taire les critiques. Voilà, David Derrea, c'est son match référence là, dans cette saison-là. C'est son match référence. Il a été monstrueux. Il y avait, même malgré ses 3 buts, il n'y avait rien qui passait. Il avait toujours une main qui traînait à un pied. Il sortait des arrêts, mais de malade. On a retrouvé le David Derrea de entre 2014 et 2017. C'est le Derrea qui était vraiment un monstre dans les buts, quoi. Même le Real Madrid voulait l'acheter. Voilà, c'était à cette époque-là où Derrea il crevait l'écran. Voilà. Et voilà, t'es à mot Derrea. Voilà, je t'aime. Franchement, on retrouve petit à petit le Derrea qu'on veut voir. Voilà, et j'espère qu'il va récupérer sa place de numéro 1 par rapport à Dean Henderson, parce qu'il y en a, ils me disent, ouais, Dean Henderson est meilleur que Derrea. Non, les gars, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, la place de numéro 1, elle revient à Dave Save. Pour moi, c'est ça. Dave Save, il doit avoir sa place de numéro 1. Voilà. Malgré ses. Mais après, pour revenir à ce match, pour moi, Derrea, il a été monstrueux, malgré ses 3 buts encaissés. Voilà, il a été rassurant dans ses sorties, ses arrêts, voilà, franchement de qualité. Voilà, il t'a sorti de grands arrêts. Voilà, il fait des arrêts d'extraterrestres, comme je disais. Pour moi, il a été monstrueux. Voilà, donc pour moi, David Derrea, je mets dans le top. Pour moi, c'est même l'un des meilleurs joueurs sur la pelouse. Voilà, meilleur mancunien sur la pelouse. Voilà, donc pour moi, Derrea, je mets dans le top. Après, charge centrale, Bailey Maguire. Première mi-temps, ils étaient solides. Voilà, on a vu un beau duo. Voilà, une belle solidarité. Voilà, il y avait une solidarité qui était entre les deux joueurs. Quand Maguire était en difficulté, Bailey venait l'aider. Quand Bailey était en difficulté, Maguire venait l'aider. C'était vice versa. Voilà. Mais après, en deuxième période, c'était un peu plus compliqué. Voilà, Maguire qui faisait pas mal d'erreurs, Bailey aussi des relances un peu moins bonnes. Voilà, c'est dommage parce que ils auraient pu faire mieux. Enfin, ils auraient pu faire un bon match. Voilà, ils auraient pu être bons. Voilà, dans ce match-là, mais je les mettrais dans flop parce que pour moi, en deuxième période, ils n'ont pas été très rassurants. Première mi-temps, ça allait, mais la deuxième période, voilà, ils auraient pu faire mieux. Voilà. Donc pour moi, Bailey, Maguire, les deux, je les mets dans flop. Après les latéraux, Wan-Bissaka, Luke Shaw. Bon, ils sortent à la, ils ont laissé leur place à Williams et à Telles. Voilà, Wan-Bissaka qui a laissé sa place à Williams et Luke Shaw à Telles. Voilà, mais sinon hormis ça, les deux, ils en première mi-temps, ils ont été très très bons.
Moi, j'ai trouvé que Wan-Bissaka, offensivement, il a apporté du danger, il a apporté de très bons centres. Défensivement, il était costaud. Luke Shaw, pareil. Moi, j'ai trouvé que nos latéraux, en première période, ils étaient très bons. Voilà, donc ils ont fait une bonne performance. Voilà, donc pour moi, Wan-Bissaka et Luke Shaw, les deux, je mets dans le top. Après, le milieu de terrain, Fred, Pogba, Van de Beek et Fernandez. Ce que je mettrais dans flop, pour moi, c'est Fred et Pogba. Les deux flops, pour moi, sont Fred et Pogba. Parce que Fred, il a perdu pas mal de ballons au milieu de terrain, malgré sa passe décisive sur le premier but de Cavani. Tu voyais que voilà, il avait du mal au milieu de terrain, il s'est fait bouger, il perdait des ballons un peu bêtement. Voilà, la preuve sur le deuxième but, il perdait un ballon bêtement. Voilà, moi j'ai trouvé un Fred très moyen dans ce match. Pogba, pareil, j'ai trouvé assez décevant. On n'a pas trouvé le Pogba qu'on voit d'habitude, qui a dès qu'il a le ballon, il élimine un joueur par un dribble, il fait une passe vers l'avant, il apporte sa créativité au milieu de terrain. J'ai pas trouvé le Pogba qu'on voit d'habitude. Ouais, il a été un petit peu décevant, il perdait des ballons aussi. Ouais, il avait du mal à revenir quand il fallait dès qu'il perdait le ballon. C'est voilà, ça a été un match très compliqué pour le milieu français. Voilà, donc pour moi Pogba, je le mettrais dans flop. Après Van de Beek et Fernandez, ces deux, je mets dans le top. Van de Beek, moi j'ai trouvé il a joué 90 minutes. Voilà, je crois que c'est la première fois qu'il a joué avec Manchester United. Voilà, la première fois qu'il a joué avec Manchester United. Voilà, il a fait un match complet. Voilà, c'est la première fois. Donc voilà, moi j'ai trouvé que Van de Beek sur ses 90 minutes, il a été très très bon. Voilà, il a récupéré des ballons au milieu de terrain, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Dès qu'il perdait des ballons, il envoyait des tacles, il mettait de l'agressivité, il se battait sur chaque ballon. Moi j'ai bien aimé le match du Néerlandais. Voilà, moi j'ai trouvé que Van de Beek, il a apporté sa grinta, son agressivité. Voilà, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il a pas été mauvais. Voilà, Van de Beek, donc pour moi, je mettrais dans le top. Fernandez, même si on l'a pas énormément vu, il a été quand même très utile. Voilà, sur la phase offensive de Manchester United, il a été très utile. Il a été auteur d'une passe décisive sur le but de Cavani, le deuxième, voilà, de Manchester United. Voilà, il a été très efficace. Il a porté sa créativité. Il faisait des décalages à droite, à gauche pour les latéraux, ou Wan-Bissaka, Luke Shaw, ou encore Greenwood, les décalages pour Cavani. Et Greenwood, voilà, il faisait des caviars pour nos attaquants. Pour moi, j'ai bien aimé le match de Fernandez. Voilà, donc pour moi, El Magnifico, voilà, comme on le surnomme, pour moi, je le mettrais dans le top. Après, nos attaquants, Greenwood et Cavani. Cavani, je mets dans le top. Voilà, encore une fois, il a été monstrueux. Il a montré que c'était un grand attaquant. Voilà, il a marqué son doublé, il fait des replis défensifs, il attaque, il faisait tout hier. Il a fait la totale, il a fait ce qu'il devait faire. Voilà, donc il a fait ce qu'il avait à faire. Voilà, donc pour moi Cavani, je mets là en top. Greenwood un petit peu décevant. Voilà, moi j'ai trouvé un Greenwood qui manquait un petit peu de sang-froid, parce que par moment tu voyais qu'il faisait des fois, dès qu'il perdait le ballon, il gueulait. Voilà, en plus il s'embrouillait à moitié avec les joueurs de la Roma. Ouais, moi j'ai pas trop aimé le match de Greenwood. Voilà, moi j'ai trouvé un Greenwood par rapport à en dessous par rapport à d'habitude. Voilà, donc pour moi Mason Greenwood, je mettrais dans le flop. Et après les remplaçants, Williams et Telles, je mettrais dans le flop, parce que pour moi j'ai trouvé qu'ils ont été ils ont apporté un effet, enfin ils ont été néfastes. Voilà, pour le jeu de Manchester United, surtout en deuxième période. Voilà, Telles, offensivement, il apportait pas énormément, tout comme Brandon Williams. Défensivement, ils ont pris le bouillon. Voilà, donc pour moi, Williams, c'était ces deux, j'ai mis dans le flop. Et après, les trois autres, Matic, il a fait une bonne entrée en jeu, Rashford aussi, et Mata, voilà, il a fait une très bonne entrée en jeu aussi. Matic qui apportait une certaine stabilité, un certain équilibre au milieu de terrain. Voilà, il rassurait la défense de Manchester United sur les occasions chaudes de la Roma. Rashford, on l'a pas énormément vu, mais quand il est entré en jeu, il a fait des transversales à droite, à gauche, il a mis de la vitesse. Moi j'ai bien aimé l'entrée en jeu de Rashford, et Mata, il a fait une bonne entrée en jeu aussi. Voilà, moi j'ai bien aimé dans l'ensemble. Voilà, bon, il y avait des joueurs qui étaient moyens, mais après les remplaçants, ils ont fait du bien à Manchester United dans l'ensemble. Et voilà. Donc moi j'ai dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé le match de Manchester, même si voilà, il y a des périodes où c'était moyen. Bref, bon, ça fait à peu près 20 minutes que la vidéo est lancée. Je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et allez Manchester, come on United. Et on va en finale. Allez, salut, ciao.